Tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. M'écoutez, ça va super. On se retrouve pour la deuxième partie de la méga ouverture de 100 boosters Pokémon XY7 Origine Antique, mon gars. Et donc, du coup, 25 nouveaux boosters à s'ouvrir. Merci à vous tous du fond du cœur pour euh, l'accueil que vous avez fait à la, à la partie 1. sera dans la description, la notation. Merci, merci beaucoup. Et donc, du coup, les amis, le gagnant des, des deux boosters est annoncé sur Twitter. Si euh, la personne ne voit pas aujourd'hui, je lui envoie un petit commentaire sur ce commentaire. Et du coup, les amis, on va choisir 25 boosters. Donc, du coup, regardez comment on va, la jouer. on va la prendre comme ça. On va en prendre genre un petit paquet ici. Un petit paquet ici. Voilà, comme ça. Tac, on va faire comme ça. On va en prendre ici. Donc là, il y en a 5, il me semble. Voilà, 5. Ici, après, on va en prendre genre... Voilà, 5. Donc, du coup, déjà, on en a combien. Là, ça devrait faire pas mal. Hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Euh, allez, 6, 7, 8, 9, 10. On en avait combien déjà, je ne me rappelle plus. On va recompter, on va recompter. Du coup, normalement, on devrait... Oh, on devrait être vers les 25. Là. 3, 4, 5, 6. 10. 15. 20. 24. Oh là là. Magnifique. 25. Et donc, du coup... Du coup, du coup, la pile de boosters vient ici. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On met tout ça là-bas. Voilà. Et donc, du coup, il restera deux parties après celle-ci. J'ai hâte, les amis. Donc, du coup, ouais, voilà. Cette fois-ci, je l'ai fait devant vous. Je m'en fiche un petit peu. Vous voyez, voilà. J'ai pris les boosters devant vous. Donc, 25 boosters qu'on va, qu va bien mélanger. Voilà. Pour bien que tout soit euh, comme la dernière fois. Et que cette fois-ci, voilà. Euh, On va voir si c'est vraiment en mode David la chance tout le temps. Voilà. Tout est bien mélangé normalement. Tac, voilà. Tout est mélangé. On a un énorme paquet de boosters, les amis. Franchement, ça prévoit du très très lourd. Ok. Ouh là là, que j'ai hâte, que j'ai hâte, les amis. Donc n'hésitez pas à faire péter les pouces verts. Euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je prendrai un commentaire au hasard et la personne gagnera deux boosters Pokémon. Pour cela, il faut laisser un petit pouce vert et partager la vidéo. Merci à vous tous. Et du coup, les résultats sur Twitter ou sur Facebook ou en commentaire pour la personne. Donc du coup, 25 boosters, je vais recompter une dernière fois. Et du coup, on va partir. Et c'est pour ça, il faut bien vérifier. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 25. Ok, c'est pour ça que j'aime bien faire avant la vidéo. Mais allez, voilà, pendant. Ça change ça change rien. Donc, du coup, 25 boosters. C'est parti. Je vous montre les 4 illustrations si on les a. Tac, tac. où il n'y a pas de méga Requaza Il y a pas de méga Requaza. Mais non. Mais si, regardez. Donc, un méga Requaza. Le Primo Groudon. Le ou pas. Et et et, et et, et, le méga Tyran aussi. N'hésitez pas à venir à votre illustration préférée. Moi, c'est le méga Rayquaza, Ok, les gars. Donc, du coup, écoutez, c'est parti. C'est parti, on est parti pour le premier booster Du coup, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, moi j'ai pète la forme les gars, j'espère que vous êtes bien chaud. Et donc du coup, c'est parti, le premier booster d'une série de 25 boosters, et il veut mal s'ouvrir celui-là, d'accord Donc objectif, avoir, euh, il nous manque une shiny, il nous manque quelques foulards, quelques méga foulards, mais toutes les méga foulards d'ailleurs, et une axe il me semble. Donc le code c'est moi qui régale les gars, allez, 1, 2, 3, 1, 2, pour... Euh, un maximum de suspense. Et donc, on est parti avec Apitrini. Sepiatros, Balbuto, euh, Zarbi, Magikarp. Donc, du coup, on y va encore un petit peu lentement. Et ça va accélérer au fur et à mesure. Kirlia, ville abandonnée. Pyroli, d'accord. Porygon 2 en river, sympathique. Mais what Mais what, les gars Mais non Mais non Mais non Puis je l'ai déjà, mais c'est pas grave Oh Mais qu'elle est belle mais qu'elle est belle, oh non! C'est le point j'ai la voix en direct, c'était dans l'ouverture à l'aveugle. Mais non, mais les gars, mais je peux pas faire mieux que ça, je peux pas faire mieux. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je prenne une tornade, une truc pour machiner la salade et que je tourne, 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 tourne les boosters ou quoi? Mais c'est pas possible! Oh, elle est trop belle, elle est trop belle. Waouh, je suis trop. Oh là là, je suis content de la voir. C'est vrai qu'il me manque encore 3 euh, quatre full art normales. Celle-ci, je l'ai déjà, mais elle sera bien à l'avant ou à l'échange. Oh super! Oh, regardez bien, ah, puisque ce que cette carte, regardez, vous voyez l'effet full art? Regardez sa tête. Il y a un petit cercle en effet foulard. C'est vraiment magnifique. Je mets ça dans des ciels rugissants. J'aime bien ces protèges cartes là aussi. Oh, au premier booster. Mais non, mais de toute façon, vous voulez que je fasse quoi Vous voulez que je fasse quoi, les gars Vous voulez que je fasse quoi Dites-moi, dites-moi que... Franchement, tu veux que je choisisse à l'aveugle les boosters ou quoi Oh là là, c'est n'importe quoi. Ok. Allez, on continue. Oh là là. Ah, oh, ça régale. Oh, ça régale, les gars. C'est abusé. Oh ça régale. Oh c'est génial. La méga ouverture me porte chance. Allez, porygon. Golem Sepia Top, Myster, Terral, Motisma, Pourrigon 2, Énergie Danger, Ville Abandonnée en reverse, d'accord, et Eantei en rare. D'accord, très belle rare. Donc du coup, je pense qu'à la fin de ma Mega Overture, je vous ferai un, une collection complète de toutes les ultra rares si je les ai. Ça sera sympathique. Donc, 1, 2, 3, 1, 2. Hop là. Donc voilà. tac, 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 tac. tac. Hop là, et c'est parti avec Misterbe, Evoli, Doudouvet, Relicante Golemastock qui nous fait Hey coucou Recyclant d'énergie, Migalos Rouleau à peinture, donc Splatoon Misterbe en reverse, et QRMX Et QRMX okay, qui apparaît Et oui mon gars, c'est comme ça, il est fini aussi Parce que j'ai toujours mon gars, waouh là se... non c'est, oh, c'était peut-être la seule Ex qui me manquait, c'était peut-être la seule Ex qui me manquait, et du coup regardez bien On a la foularde et la ex C'est fou et la Hex, c'est pas mal non plus. Franchement, elle est vraiment classe. Hein. Vraiment classe, vraiment, vraiment classe. Ça fait plaisir. Waouh. C'est les mêmes attaques. Les, toujours les mêmes attaques. Même le même nombre de points de vie. Hein. C'est juste l'illustration qui change. Pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, oh c'est cool, oh c'est cool J'adore les débuts comme ça, ça régale les gars Faites péter les pouces franchement ça fait plaisir Donc ouais, son booster, donc euh, il y en a plein qui m'ont demandé David, est-ce que tu recommenceras Est-ce que tu recommenceras son booster et tout J'ai eu masse de commentaires là-dessus, je ne sais pas les gars hein. Je ne sais pas, euh, ça coûte beaucoup d'argent quand même euh, Voilà, ça dépend de l'occasion Ça dépend de la série, parce que cette série me plaisait beaucoup Donc du coup, ma reste Evoli, Gringolem, Tarsal Balbuto Petit Aquali Hortide, euh, rouleau à peinture, brun écologique en reverse et, et ouh, en taille en holographique. Sympathique, toujours sympa d'avoir une holographique, les amis. Les holos sont très durs à avoir également. Euh, je, je pense qu'il ne m'en manque aucune, hein, sans vous mentir. Je crois les avoir toutes. Et du coup, tac, je ne sais pas si les codes de sont activés. Également, euh, tac, 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 tac. Ah oui, peut-être une grosse surprise sur mon Twitter. N'hésitez pas à les voir Mimigal, Magicarve, le mec qui fait des teasers, euh, Mucuscule, Zarbi, Persian. Lien spirituel Faramp, lien spirituel... On a des, des, des liens spirituels d'affilée Lien spirituel Tyrannosif, Tenefix, euh, Zarbi en reverse, et Kaorin en rare. Et Kaorin en rare, ok Allez, un petit primo Groudon. Un petit primo Groudon. Toujours pas de, de booster primo, de... De, de, de méga equata Shiny, c'est bizarre J'en ai pas pris beaucoup pour cette partie. C'est dommage, j'aime bien cette illustration de booster, en plus ça me porte assez chance. Donc du coup c'est parti avec Porygon, Mimigal, Miaous, Marest, Apitrini, Algasmilpop, Stinefix, Forêt de Plantes Géantes, Piroli, Gringolin, et Ereja, ils sont rares. Ereja, ils sont rares, très belles, rares, très bons Pokémon légendaires, j'adore ça. Ouh là là, 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 là. Excusez-moi pour les débuts assez lents ou comptage de boosters, etc. Mais euh, voilà, vous avez été quelques-uns quand même à me demander de le faire. Donc, je vous le fais, moi, il n'y a aucun souci. Et c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2. Tac, tac, tac. En tout cas, merci vous, pour vous pour l'accueil. Franchement, l'accueil de la partie 1, c'était vraiment incroyable. Donc, Persian, Magikarp, Pyronie, Mimigal, au calme. Ah, ça me fait penser à une araignée. Deux trucs de Blade truc Art, Pour ceux qui connaissent, Golemastock. Ah, c'était énorme, ces trucs-là. Euh, Colimicus, euh, Porygon 2, Récycleur d'énergie. Aqualion Reverse, d'accord, un peu comme une Reverse. Et. Et Métalos qu'on pourra retrouver en holographique dans le deck Très bien Imagine, une merguez tu vas m'a tué avec ça Allez, je me concentre un petit peu Ah oh là 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 là, je me tape des bas C'est n'importe quoi Donc du coup, c'est parti avec Persian hein. Porygon, Pyronie une nouvelle fois Gringolem, Apitrini, Ville Abandonnée Farfaduvé, il y a des cartes qu'on voit quand même moins souvent Comme Farfaduvé, recyclage d'énergie Hortide, en reverse avec sa grosse baba genre tout, 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 tout je baffe mon dieu OK et et pour Egon Z et pour Egon Z en rare, d'accord très bien très bien les gars très bien Bon bon on a franchement on a fait un excellent début et bah eh ben, après là pour l'instant c'est un peu le vide écoutez euh, c'est normal en même temps on a, on a combien de parties on a huit ultra rares euh, pour les, les deux parties pour l'instant Donc on, nous avons Comment il s'appelle Pyronie. Golemastok. en plus c'est marqué sur la carte mais j'essaie de ne pas voir euh, le nom. Terral, Mimigal. Forêt de plante géante. Pyronie. Lien spirituel de Junko. une oh, Petit drap river. Ça fait plaisir. Oh yeah. Voilà. Et... Et... Et l'éviateur en rare qui m'a mal coupé. D'accord. Bizarre. Allez, on continue. Des fois vous avez des, des cartes mal coupées, des cartes avec des petits défauts. Il euh, faut bien les garder précieusement ces cartes-là. Hein. C'est des cartes un petit peu collector. Le code de Nine, faites-vous plaisir. Comme je dis, n'hésitez pas à me dire votre pioche des codes de Nine. Et ça fait toujours plaisir. Donc évolue. Farfa du V, Relikant, Persian, Lien Spirituel Faramp, Jolie Flore, Ville abandonnée. Lisandro Rivers, d'accord. Et... Ouh Garde-voix en holographique Et j'aime bien cette carte. C'est l'une de mes préférées holo de la série, sans vous mentir, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Avec le taille, elles sont vraiment classe. Ouais. Ouais, 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 super sympathique. D'ailleurs, cette illustration de carte était disponible sur la display japonaise. Car oui, à chaque fois qu'il y a une série, j'ouvre également cette série en japonais. Euh, toujours 2-3 euh, mois avant la sortie de la France, parce que voilà c'est toujours une belle avant-première, on découvre les cartes, Miaous qui, qui devrait siroter son sirop, Pironi siroter son sirop, c'est pas mal ça, Doudoué, Gringolène, Abitrini Braicologique, Wally, Migalos qui est un spirituel Et Wally en reverse avec les petites étoiles sympathiques, les, les étoiles, enfin les signes d'ailleurs c'est toujours égal au type du Pokémon et et Epirax et ils ont fait beaucoup d'efforts sur cette carte et j'apprécie. Donc, les gars, il nous reste combien de boosters 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouh, 14 boosters. Ouh, il y a moyen de se faire plaisir encore. Ce serait sympa qu'on ait encore une ou deux cartes quand même. Après, bon, tant pis. Hein. Ce sera pour la partie 3, la partie 4. Mais ce serait sympa. Moi, je refuse jamais, les gars. Je refuse pas. Je pense que vous aussi. Hein. Donc, du coup, c'est parti avec Axolot. Balbuto. Doudouvet. Euh, Evoli. Persion Métang. Misty Maniac, Motisma, Golem en Reverse et Porygon Z. J'aime bien faire des petits coups de stress comme ça, c'est toujours sympathique. Donc j'espère que toutes les avant-premières que vous avez vues sur la chaîne YouTube vous ont fait plaisir, les amis. On s'est vraiment craqué, dégommé pour vous. Franchement, j'espère vraiment, vraiment que vous êtes contents. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, et c'est parti avec Pironi, V. Gringolem, Apitrini, Sepiatros. Vraiment sympathique cette carte, vraiment, vraiment sympa. Oh, d'ailleurs. Oh, oh, oh. Cette carte aurait-elle un défaut Ah, ouais, on dirait qu'elle a un coup de feutre. Ah, c'est énorme. Regardez. Là, vous voyez pas le coup de feutre Alors, je vais voir si elle est sur les autres Sepiatros. Et franchement, si elle a un petit coup de feutre, comme je vous disais, c'est très rare les cartes comme ça. Imaginez tout. Le... Oh, ça serait génial. Migalos Oh, je suis content de vous montrer ça. Vraiment, j'espère que c'est un petit défaut. Donc, Lisandre. Aquali. ou ou en holo-reverse. C'est une holo-reverse. Donc, taille on l'a eu en holo tout à l'heure. Elle est en reverse. Et Metalos en rare. Le petit Metalos en rare. D'accord. Ok. Allez, une petite ultra s'il vous plaît. Oh, une petite... Oh franchement, il oh, y a une carte que je veux. Bon, à part la prime au cœur, bien sûr, ça serait le Oupa Full Art. Oh, cette carte, mais cette carte. Euh, Terral. Zardi, Porigon, Mimigal, Miaous, Motisma. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait en peu commune, lui Énergie spéciale, énergie flash, farfa du V, Migalos en peu commune, reverse et... Régiste-t-il on a eu les trois golems, les gars. On pèse ou pas Ok, très bien. Tac, 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 tac. Donc, franchement, euh, la meilleure ouverture est l'une de mes ouvertures préférées euh, à tourner de XY7 pour le moment. C'est vrai que l'ouverture, à l'aveugle, c'est pas mal, mais j'aime bien avoir les cartes en direct. Donc, Apitrini, euh, Marest, Evoli, Gringolem Tarsal, Niveau Ball, au calme, lisant le barbu, mon gars. Quand on comme lui, comme la fouine, mon gars, on va l'appeler la fouine. Marest en river, c'est. Nous, gonnez ma stock en rare. Ok, en semi full art. Très bien. Allez les gars, il nous faut voir un, un autre cp pour voir si c'est vraiment un défaut ou pas. Ça se trouve, je me suis enjaillé pour rien. Comme d'habitude, quoi. <laughs> oh là là, mon dieu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sinon la puissance des gens anciens. Ouais. D'accord. Ouais. Bah re ressortez-nous des... Oula Qu'est-ce qui s'est passé Il y a une carte qui est partie avec le code. Ressortez-nous des petits boosters wizard, là et on sera content. Donc 1, 2, 3, 1, 2. C'est le mec qui pense qu'à ça, c'est un truc de fou. <laughs> Allez, à Trini, vous connaissez, je suis, je suis vraiment genre... En pétage d'énergie. Et mon C4O, c 40 ça a un défaut. Et mon c 40 ça a bien un défaut, les amis. Ouais, 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 je suis content. Il y a... Ouais, regardez bien. Alors, pour vous, je suis sûr que... faut vraiment faire attention. J'aime bien, franchement, c'est cool. Regardez. Là, il a rien. Et en bas, il y a une grosse rivière noire ici, comme ça. Tac. Tu la vois ici. Essayez de bien voir. J'espère vraiment que vous allez voir. Normalement, ça se voit. Hein. Voilà, ici, elle est là. Je colle le bord jaune. Tac, elle est là. Tac. Et ici, il y a rien. Oh, c'est fou. Oh je suis trop content. Ah je suis content d'avoir une petite carte avec un défaut comme ça. Je peux vous montrer qu'il y a quand même des cartes qui ont des défauts. Et il faut bien les garder. Donc je suis content. C'est piatros, pyrony. Oh c'est cool. C'est cool quand même. Gringolem. Magic carpe, énergie spéciale, énergie danger. Jolie fleur, brin écologique, niveau bonne en reverse. Et... Oh, Metalos. D'accord. D'accord. Quand même les holographiques, faut pas croire, mais ils sont vraiment difficiles à obtenir. Hein. Vraiment difficiles à obtenir, les gars, je vous cache pas que... C'est chaud quand même. Hein. Tac, tac, tac. Ouh, booster qui résiste. Booster qui résiste. Hop là, le petit code. 1, 2, 3, 1, 2. Tac. Et c'est parti pour le show à Pitrini. Sepia Top, Rélicante, Balbuto, Tarsal, Recycleur d'énergie, Sympathique, rien J'aime bien cette carte, ça fait penser à Garden Crystal. Ténéfix dans la forêt, Marest en reverse. Ouh, Pyrax holographique. Je suis toujours content d'avoir une holographique. C'est vraiment difficile à obtenir. Hein. Voilà. Et j'ai peut-être aussi un nouveau concept à vous présenter. Euh, J'en parle pas plus que ça parce que voilà, mais euh, j'ai un nouveau concept à vous présenter bientôt. Je suis vraiment content euh, de vous le proposer. Je suis content, je suis content, je suis content d'avoir pensé à ça. Vous allez voir, ça va être cool. Donc Zardi, Persian, euh, Tarsal, Gringolem. Oh, il ne l'a pas non plus. Donc cette carte a bien un petit coup. Oui, l'Esprit de Junko, écologique. ce Casque chance. Alors cette carte on la voit pas beaucoup. Euh, lien spirituel de et Metalos. Et Métalos. Les gars, il nous reste combien de boosters. Il nous reste 2, 4, 7 boosters. Donc franchement, on aura un début enflammé. Va-t-on avoir une fin enflammée J'ai hâte, j'ai hâte de savoir. cette booster, il peut toujours se passer des choses. Euh, L'ouverture à l'aveugle en est la preuve avec le dernier booster. Et l'une des cartes les plus rares et attendues de la série. Pour Igon, c'est Piatros. Et nous, on n'a pas non plus Misterbe, Miaus. Apitrini, Niveau Ball, Migalos, Lisandre alias Lafouine. Gringolem en River. Et Kaorinora. Et Kaorinora. Donc, comme vous voyez, on voit souvent les mêmes cartes. C'est normal, la série est assez petite. Hein. 98 cartes, c'est pas énorme. Hein. Franchement, sans vous mentir, euh, on est plus habitué à des 120, 130 et des grosses séries comme Frontière Franchi ou des séries comme ça où il y a vraiment 150 cartes. Et là, tu peux dire, waouh, c'est long, c'est long à compléter. Du coup, c'est parti avec Sepiatros. L'épidonille. Non, Pyronille. Gringolem, Magicarpe. Tarsal. Bien Spiritual Junko. Ortide. Top Dresseur. Braécologique. Donc, je suis content d'avoir des petits dresseurs. Euh, en reverse, parce que c'est les plus durs à avoir en reverse. Et Métalos. Mais non, mais attendez. Mais ça fait 8 fois qu'on l'a, Métalos. Non, mais c'est pas possible. J'ai capturé tous les Métalos d'origine antique, mon gars. Ok, tac. Bim. Donc, 1, 2, 3. 1, 2. Allez, une petite surprise pour la fin. là une petite surprise, là. Ça ferait plaisir. Allez, Mimigal. Marest. Mucuscule. Evoli. Mucuscule, ça rime avec... Jolie flore. Ville abandonnée. Parfadivé. Rélicante en reverse. Sympa. Et... Et Metalos encore, mais Metalos qui est à chaque booster Mais qu'est-ce que tu fais Metalos gros C'est pas possible Il est à chaque booster mon gars Alors, tac tac tac, je vais pousser un petit peu les cartes 1, 2, 3, parce que, oh là, le petit code. C'est vrai que ça fait un paquet de cartes, hein, sans vous mentir Moi j'aime bien ma petite collection en river J'ai hâte de la compléter, oh oh, oh mais what Mais il y a encore le bug Mais il y a encore le bug sur cette carte là On voit le trait ici là Bon mais bah écoutez, je vais la mettre de côté aussi, Balbuto, oh c'est dommage, c'est pas une carte unique, Zarbi, Magikarp, Marest, Colimucus, Aquali, Lien spirituel Faramp, beaucoup de liens spirituels, Joliflore, mmh, jolie carte, il y a quel jeu de mots, <laughs> ok, et... Et, Régiroc. et Régiroc. ok les gars, ok ça marche, ça me va, alors c'est quoi déjà le truc de, c'est quoi déjà, c'est ça me dérange pas moi j'aime bien Yo, gars, ça date oh là comment ça date ça oh là là ça date des années 2007 un truc comme ça Evoli, persian pour ceux qui connaissent big up brigon pyronie gringolem bah apirène forêt de plantes géantes, ortide, ou léviator aura Rivers, alias le suili, celui-là, celui, c'est lui mon gars, c'est lui, celui qui louche, oh yeah, je suis à moitié cinglé, je m'appelle Léviator, je te saute dessus et je me transforme en sushi, n'importe quoi, oh, une petite holographique qui fait plaisir, pourri qu'on Z. sympa. Vraiment sympa, les amis, hein, vraiment sympathique. D'ailleurs, on voit des escaliers ici. Il me semble qu'il y a une carte, on voit un Pokémon en bas des escaliers. A vérifier. D'ailleurs, les escaliers vont dans le vide. Hein. Le mec qui, qui a dessiné la carte, il dit Bon, allez, je construis les escaliers, on va le placer là, et puis au oh, calme. D'accord Le mec, il s'est vraiment bagasé le gueule. Des escaliers qui vont dans le vide comme ça. Pourquoi pas hein, Pourquoi pas Tu rentres, tu montes les escaliers, bim, tu sautes, t'es mort. Voilà, c'est comme ça. Allez <laughs> putain <rire> les pauvres escaliers Oh là là Persian Rélicante Porygon Gringolem. Euh, non, c'était Golem à stock, c'est pire top. ralias Lysan, alias Lafouine, à Pyrène. Mucusculon, River. Et le de Ocus en holographique. D'accord. Sympa. Sympathique. Et bah dis donc, on aura fait plein d'holographiques et ça c'est bon. Ça c'est bon bueno, les gars. Allez, peut-être le dernier booster. Ouh, y a-t-il quelque chose Voit-on quelque chose sur le côté Ouh là là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois je dis ça, il y a des choses. Des fois je dis ça, il y a rien. Là, je n'ai pas vu du coup. On va se le faire en mode stress, les gars. C'est parti avec Balbuto. Doudouvet, Relicante. Golemastok, Terral, Aquali, Porygon 2, Rouleau à peinture, Régiroc en Rave Reverse. Et. Oh, c'est une holographique! C'est un taille holographique, les gars! Waouh! Wow. Pas mal, pas mal quand même. On a déjà eu en doute trois fois dans cette ouverture. Ok les gars, bon, on aurait eu un début explosif, comme quoi. Et après à la fin, un enchaînement de holographique. Donc on va faire le petit récap de tout ça, les amis. Le petit récap. Alors attendez, ta, 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 je vous fais ça rapido, rapido. Tac, tac, tac. Oh franchement, ça fait plaisir. J'adore ouvrir d'origine Antique en ce moment. Je suis vraiment au taquet. Vraiment, mais vraiment au taquet. Vous imaginez même pas. Tac, et on... ah, c'est vrai qu'on a eu deux belles cartes. Donc, Antei en Holo Reverse, Mupedocus holographique. Pyrax holographique, garde-voix holographique, Anté holographique, Porigonzé holographique et un deuxième Anté holographique. Et du coup les gars, du très lourd, du très lourd. QRMX que je n'avais jamais eu et et QRMX Full Art mon gars. Yes, 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 yes. Ça c'est du bon ça, ça c'est vraiment bon les gars, ça ça régale. Très belle foulard, hein. c'est des cartes qui cotent extrêmement beaucoup. Je suis vraiment content de l'avoir. Et du coup, les amis, n'hésitez pas à faire péter les poussières, à partager cette vidéo à vos amis. Ça fait toujours plaisir de leur faire découvrir un cartes Pokémon. Beaucoup me disent ouais, j'ai parlé de ça, de ça, mes amis, ça leur a plu, Ils trouvent ça fun et tout. mais n'hésitez pas à le faire, les amis. Ça fait toujours plaisir. Du coup, les amis, on se dit à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Oh yeah. Elles ont le swag, je m'appelle QRM. Oh yeah. J'apparais dans toutes les ouvertures. Ouh ouh ouh. C'est la fête des QRM. Allez bye bye, ils bye bye.